C'est plus une bonne idée ce qu'on fait là. Mais je croyais que tu voulais enquêter sur les grands pieds. Mais c'est ce qu'on fait, non? Je vois quelque chose qui bouge! Dis-moi ce que tu vois. C'est un alpiniste! Je vois. Où? En haut. Regarde. Oh. Mais c'est Hans! Qu'est-ce qu'il fait là? Il doit photographier des champignons, qu'est-ce que tu crois? Mais il doit pas y avoir beaucoup de champignons à cette altitude. Ouais. Ah, j'ai deviné. Il recherche le grand pied. Il va être le premier à le photographier pour devenir célèbre. Je suis sûre que c'est ça. Voilà. D'accord. Oui. Okay. Ça. Le numéro de la police. Vite! C'est pas moi! Désolé. Je vous ai fait peur. Avec le grand pied qui rôde, c'est pas évident. Le grand pied? Le monstre qui vaut mieux photographier en haute montagne. De quoi parles-tu? Hey! Fais pas l'innocent! Mais quoi? On a découvert que t'étais dans la région pour photographier le grand pied. On t'a vu escalader la montagne. Chut. OK, vous avez gagné. Je vais vous dire quelque chose, mais ça doit rester entre nous. Promis? J'ai découvert le refuge du grand pied. Quoi? Chut. C'est une caverne très difficile d'accès. T'as vu le grand pied? J'ai même failli le photographier. Ben, il faut avertir les autorités. Mais pas tout de suite. J'ai peur qu'ils l'abattent, vous comprenez? Mais il faut le dire à Jean-Marc. Lui, il va le capturer sans lui faire de mal. Ouais. Oui, oui, mais avant, j'ai besoin de 24 heures pour photographier le grand pied dans son habitat naturel. Bon. D'accord. La montagne noire. Nathalie? C'est toi, Nathalie? Qui est là? Vous direz bonjour à Bart et Nathalie de ma part. Ok, à plus tard. Nathalie? You, est-ce qu'il y a quelqu'un?
Garde. Tu crois que c'est le grand pied? Habiter dans une grotte. Sparte est en danger. Et t'as raison. Il faut essayer de voir ce qui se passe. T'es folle. Attends, reste. Catherine, viens. Catherine, vite. Non. Faites attention à Hans. Il est dangereux. Pas plus que Max, je te le jure. Où est Nathalie? Elle a réussi à s'enfuir. C'est fini, OK, Bart? Bart! Ça va? Oui. La télé est pas avec vous? Non. Écoutez. Trois devant nous. Cette fois-ci, vraiment un grand pied. Chut, chut, chut. Hey. C'est Nathalie. Et ce n'est pas tout. Hans vendait les œufs de faucon pèlerin sur le marché noir. Il voulait me forcer à lui montrer l'emplacement des nids. Comme ça, c'était Hans, le grand pied.
Il éloignait les curieux en faisant peur à tout le monde, avec son histoire de Sasquatch. En tout cas, Mike, ça n'a pas peur des grands pieds. Oh, Bart, tes lunettes! Ils sont à l'endroit, là? Ouais. Merci, Steph. J'ai hâte de te voir vraiment. Puis les œufs, tu vas les remettre dans leur nid dans la montagne, hein? Non. Ben, ils sont imprégnés de l'odeur humaine. Mes parents pourraient les rejeter. Donc, ce qu'on va faire, on va les porter au biodôme. Puis quand les oiseaux vont être assez âgés, on les relâchera dans la nature. Bon, et maintenant, si on rentrait pour le souper? Hein? On a des truites au menu. Non, pas encore du poisson. Si ça continue, je vais devenir végétarienne comme mes grands-pieds.